Il a rien dit, il a juste donné son avis que tu avais fait. Certes, il est délu, mais bon, comme toi, tu te fous de ta gueule, de ceux qui croient en loser. Je me fous pas de la gueule, frérot. Je dis juste que les gens, frérot, faut un peu être logique, quoi. Et puis, de toute façon, il y en a pour les deux scénarios. Si t'es pas content, bah, tu vas avoir un autre streamer qui te dira qu'il y a la loser queue, tu vois. Moi, je te force. En fait, je te force pas à croire, tu vois. Je te dis juste que c'est la vérité, en fait. C'est la vérité qu'au bout d'un moment, ça marche comme ça dans la vie de tous les jours. T'as ceux qui regardent les voisins et qui se disent, bah écoute, l'herbe, elle est plus verte ailleurs, alors que bah, lui-même, il pourrait arroser son jardin, tu vois. C'est juste, moi, je déteste, je suis anti ça, en fait. Mais pas que sur LOL, tu vois. Les gens, en fait, se trouvent des excuses à H24. Je suis d'accord qu'on n'a pas tous la même chance de réussir à différents degrés, tu vois. Il y en a qui ont des lacunes sur plein de choses, tu vois. On n'a pas le même potentiel. Mais si tu travailles la chose, je te dis pas que tu vas y arriver à 100%, mais tu vas forcément avoir une évolution, même si elle est minime, tu vois. C'est juste que les gens, dans la vie de tous les jours, les humains sont défaitistes. Et celui qui me dit que c'est pas vrai, bah écoute, c'est Dieu qui donne. Oui, exactement, Ken Blue. Mais quand le mec il me rentre dedans, je suis obligé de lui expliquer en français aussi des termes, tu vois. Pourquoi pas First Strike sur cette game? Parce que j'ai préféré Aerie en termes de runes là, sur celle-là. Merci Twangs pour le sub offert. Ouais, je me focus sur la game les gars. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pourrais gagner le bot en vrai. Et c'est que, en fait, ça aurait été un autre ADC, j'aurais gagné le bot, mais. Typiquement, le matchup contre Lee Sin, j'aurais pu partir rush physique. Mais là où je me dis, c'est que si Lee Sin touche ses sorts, que j'aille vite ou pas, je me fais des lettres, tu vois. Donc autant essayer de snowball en jouant proprement, grâce au first strike, et après il pourra plus rentrer dans les buissons. Parce que dans tous les cas, rush physique ou pas rush physique, je pense qu'il me défecte dessus le Lee Sin. Salut Titi. Autrefois ils étaient humains. Aujourd'hui, ce ne sont que les obstacles. Je vais prendre ma potion au cas où il m'invade. Là, tu vois, il pourrait potentiellement m'invade. Du coup, je fais ça. Je mettrai fin à cette corruption de la magie. Ici, il est bot. Il a double buff, 12 CS. Il va jouer Scuttle Top dans la logique. Moi je suis niveau 4, lui niveau 3. Et moi j'ai pas mal perdu d'HP. Tu vois où les buffs de Lee? Bah tu vois sur lui. Autour de lui il y a un buff bleu ou un buff rouge. Tu vois, il vient de faire ça. Après, je pense qu'il a fait les camps upside vu qu'il venait de... Ok. Je suis loin. J'essaye de le sauver. Faut que j'esquive le Q en fait. J'ai pas le choix. Sinon. Mec, je les démonte là. Bah écoute, j'ai gagné la game sur ça. Hein. On prend 3 kills. Let's go. Mec, les saplings dans le buisson. C'était quelque chose quoi. Cette malédiction me remplit de rage. Mais du coup j'ai pote qui gagne, mid qui gagne et top qui gagne. Normalement c'est gagné. Lee Sin il va pas jouer contre moi.
Il fallait à tout prix, pour ceux qui ont pas compris, il fallait à tout prix que je flash le cuspel de Lee Sin, parce que si touchait le Lee Sin, il pouvait tuer le Garen derrière. Il a un HP lui. Ok. Ok, il bat en retraite le Corki. On pourrait jouer le Drake. Hein. J'ai déjà préparé les sappings. Il est à nous à 100%. Surtout qu'on regarde, il va là-bas. Ça me fume parce que tu récupères des golds alors que t'es même pas sur lui, genre. Normalement, si le Lee Sin est bon, il me vole mes deux camps topside. Normalement là, je le meurs. Yazoï. Je push la wave, c'est bon. 1003, j'ai ce qu'il faut. Ce qui est bien ton Hello, c'est que sur un move, tu détermines la game. Après, oui et non, en soi, dans ce niveau, tu pourrais croire que des fois la game est jouée, mais... Il y a quand même des gros hinters à ce niveau. Je pense que en termes de stratégie, en termes de compo, en termes de logique de jeu, ça commence à jouer à partir de 500-600 LP. Et après, c'est... Après, je peux... Enfin, ça arrive que les games, ils aient pas de sens non plus, tu vois, un j'aime chal. Mais si t'as investi les sous au bon endroit, en général, à ce niveau-là, ça sait faire le taf, tu vois. Moi, à ce niveau-là, tout le monde pense avoir le potentiel de carry, mais il y en a trop qui se chient dessus, quoi. Par contre là, le Lee Sin, je le coupe en deux. Hein. Il prend un sapling, je l'envoie sur Namek. Hein. Il ne fait qu'un avec la nature. Je serai la peur. J'ai voulu Z le Jax, mais je l'ai one-shot en fait. Il va devoir prendre la wave, le Lee Sin. En gros, s'il prend pas la wave, c'est du hint. Parce que là, regarde le nombre de ressources qu'il y a. Du coup, je reste ici. Si jamais il veut jouer. Celui-là il va être gratuit, regarde. S'il passe. Après le fait d'avoir un mid giga fait, normalement la game est gratuite. Oh là je suis très très bien là.
Oh, il a Counter-Strike en plus. Il a le kill, c'est parfait. Je fais perdre. Il a le kill et en plus, je fais perdre la wave, donc c'est parfait. Hop, il a pris les saplings. Là, lui, il va être obligé de défendre la tour, pareil que tout à l'heure en fait. S'il prend pas les CS en termes de gold et d'XP, il passe trop derrière. Hein. Zeri se fed. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, il préfère faire ça. Il est mort, hein. Et là, il a flash. Ok, bon. En fait, il avait deux choix. Soit prendre une wave où il gagne 200 gold, soit se suicider à l'Hérald. Donc bon, le choix, il a été vite vu. Hop, le corps qui est slow. Avec un sapling, il a niqué sa Valkyrie, genre. À quel point, genre, je fais peur. Ça veut dire quoi, sapling? Bah, c'est mon E. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais, mais... Ça veut dire arbrisseau. Ok, bon, bien vu ça. Je me suis fait ch'tanker le scuttle. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire se faire ch'tanker quelque chose? Voler le sang, eh ouais. Il te l'a mis à l'amande. Il va d'Ashin, voilà, et il est mort. Qu'est-ce que c'est cette game? Lâchez-moi! Je ne peux pas arrêter. La forêt m'attend. Il y a le Drake à jouer. Le but c'est de jouer le dragon. Attends, mais comment le gars est de mes deux niveaux Ah bah oui, mais c'est toutes les waves que j'ai envoyées sous tour. Garen il met deux niveaux à Jax. Et Jax ils sont trop sous tour. Regarde les dégâts. Choisis Vertu Radieuse dans quelles circonstances? Putain, ça fait très bonne question ça. Vertu Radieuse quand tes alliés peuvent carry et que tu as besoin de tanker. Merci Exit pour les 29 mois. Dommage, le fight était vraiment parfait, mais je crois qu'ils étaient en supériorité numérique, non? Je sais pas comment ça s'est goupillé le truc, mais... Je vous aime les gars, n'oubliez jamais, à chaque fois que vous venez sur ce live, dites-vous que je vous kiffe à la folie les gars. C'est pas grave si je dois répéter 50 fois les mêmes réponses. Vous arrivez tous, vous avez tous le droit d'arriver en retard. Je répondrai jusqu'à mes 60 ans les gars, à vos questions. Je suis là pour vous les gars. Merci Pops pour les 8 mois. Tiens, mais le Lee Sin, comment il arrive à être en 6-4 alors qu'il a pas de game genre. Merci Monsieur Groslard pour le prime. Qu'avez-vous fait?
Merci Woxot pour le prime, bienvenue. IFGK Agency, frérot, ça déconne plus maintenant. Ça dit les termes. Et après, s'il préfère tuer Kongmo et me laisser Drake, c'est fine. Hein. D'ici, il pourra pas carry la game. Ah bah en plus Kongmo il a pris un kill, c'est pas beau ça. Alors c'est trop son champion. Chef. All plane. Y a pas mal d'immortal Shilbo, là je vais faire un flamme ombre, messieurs dames, vous allez péter un plomb contre le flamme ombre. Dis-moi mon stuff one shot que tu avais fait sur Nocturne, est-ce qu'il peut fonctionner? Oui. C'est très fort à bon niveau. Pas mal de hints quand même dans la game. La nature humaine, quel paradoxe. Là, il y a juste à jouer les objectifs et c'est free win. Bien évidemment, ça va fight ici. Et je suis obligé de jouer avec l'Hippipodence au lieu de jouer l'Hérald. Parce que je sais très bien que ben, les alliés ils aiment bien aller un peu de partout, sauf où il faut. Il est là. Il est pas loin. Ils sont de partout. Hop, sapling. Et elle va prendre le sapling encore. Elle est morte de toute façon. Soit elle va sur Kongmo, soit elle va dans le sapling. Donc. Non. Merci, risque crouf. Oh putain, il est parti. Ils sont tous morts là, ils sont en train de perdre la game pour un Nautilus là. Esquive du Q-spell, je le donne à Garen. Je lui envoie un sapling dans le couloir. Bonjour. Une ward. Hop, voilà. Faut le prendre slow, tu vois, pas d'ego, frérot. J'attends les collègues. J'attends la gendarmerie, frérot. Ni plus ni moins. Merci, Angel Chris. Pour le sub T3. Merci beaucoup pour ton 38ème mois. C'est pas beau, ça. Bah écoute, on va jouer le dragonné. Hein. Là, j'ai la flamme en moi. Oula, qu'est-ce que. Paf.
Alors si tu dashes dans le sapling, ça va pas t'aider poulet. Pour moi c'était un bon call, on aurait pu turn sur le Lee Sin. Y'a rien à faire, j'ai juste besoin de mettre 2-3 spells d'affilée là. Voilà. 4000 gold, not too much. Tu dis sapling ou sapine? Sapling. Oh frère, je crois qu'au point où on en est là, Rabadon. C'est n'importe quoi la game. La zone a bien joué, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. J'ai envoyé tous mes saplings, mais alors là. Peut-être suis-je déjà perdu, mais je les emporterai avec moi. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Merci Tispire pour les 14 mois. Bon, tu m'as cassé les couilles, hein, c'est bon, j'envoie les hintes. J'envoie les hintes, vous m'avez pété les burnes. Oh là 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 là. Yo Six, la forme. Merci Phoenix. Ça va très très bien. Non, bon, vous dites les sappings ça se cumule pas, en gros le but c'est de les mettre un peu de partout quoi. Ouais, imagine, il y en a, ils jouent encore Lee Sin en saison 13.